J'étais à une fête, dans une cave. C'était il y a longtemps. Tellement longtemps que je ne me rappelle plus comment j'étais arrivé là. Les gens étaient très excités. J'essayais de me mettre dans l'ambiance, enfin. L'air était humide. Je me rappelle avoir partagé une cigarette avec un type qui parlait comme un ventriloque. Je pensais beaucoup à elle. Elle était en Australie. Elle voyageait tout le temps. Elle était hôtesse de l'air. Il y avait deux filles qui avaient perdu leur clé de voiture. Elles m'avaient demandé de l'argent pour un taxi. Enfin, je crois. J'étais pas vraiment à ma place, là. J'avais perdu la notion du temps. Je savais plus comment rentrer chez moi. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais oublié qui j'étais. Qui j'étais vraiment. En rentrant le lendemain, je me rappelle, je me sentais sale. À cette époque, je transpirais beaucoup. Je me sentais souvent mauvais. Et je crois aussi qu'il n'y avait plus de savon à la maison. C'est elle, en général, qui s'occupait d'acheter les produits de toilette. Je me souviens maintenant d'avoir là, dans le lit. Je m'y attendais pas. Je voulais pas la réveiller. Mais je lui ai quand même posé ma main sur sa cuisse. C'est ça, s'il te plaît. Chut. Je t'aime. J'ai pris une douche avec un savon qu'elle avait ramené d'Égypte. Le matin suivant, je me rappelle avoir trouvé une lettre entre les rappels de factures et les publicités. Cher Martien, je sais. Le rouge te fait défaut et tu le cherches partout. Surtout sur ses lèvres. Mais le rouge qui te manque est un rouge plus intense. Arrête de mentir à toi-même.
Tu veux rentrer sur Mars. Ton ami imaginaire. Et au même instant, j'ai renversé le café. Et merde. Chaque fois qu'elle allait travailler, elle s'envolait pour découvrir de nouveaux horizons. Pendant ce temps-là, je restais seul à la maison, et j'essayais de profiter au mieux de cette liberté. J'allais souvent jouer au foot avec des amis. J'étais toujours attaquant, mais je marquais très rarement des goals. J'aimais beaucoup cuisiner. Un jour, j'ai inventé une salade. Enfin bref, j'étais bien. Mais c'est vrai que par moments, elle me manquait quand même un peu. Je refaisais souvent le même rêve. Je me réveille dans un endroit qui m'est totalement étranger. Elle est à côté de moi. Elle n'est pas encore elle et je ne suis pas encore moi. Nous avons peur. Et nous sortons explorer les lieux. Elle me parle, sans parler. Dans une langue qui ne sera bientôt plus ma langue. Il fait chaud. On marche de plus en plus loin. Nous nous habituons à ce paysage étrange. Nous n'avons plus peur. Nous nous sentons légers, libres. Nous retournons à notre point de départ. Nous voyons notre navette qui s'était écrasée. La navette n'est plus une navette. Tout à coup, nous voyons quelqu'un. Et alors nos formes deviennent deux corps. Elle me regarde et me dit « Nous ne sommes plus sur Mars. » Elle me donne la main et nous nous enfuyons. Cette nuit-là, j'ai reçu une visite. Je me rappelle avoir entendu un son bizarre. Et je pensais, ça, c'est pas un avion. Et toi ? Moi ? Oui, toi. T'as reçu ma lettre ? Oui. Tu dois rentrer chez toi. Tiens. Avant qu'il ne soit trop tard.
On va à une fête. Mars est à 55 758 millions de kilomètres de la Terre. Je fais une halte à Reykjavik. Aujourd'hui, j'ai pu voir des aurores boréales. C'était magnifique, tu aurais adoré arrête pas de pleuvoir. Je suis bloquée à Paris depuis 2 jours. Je t'écris dans un café des Champs-Élysées. Hier soir, on a mangé du poisson frit et fait un bain de minuit avec les autres. Je suis dans les airs depuis 10 heures au moins. Quand tout le monde dort dans l'avion, je pense à toi. Je me demande de quel côté du lit tu dors. J'ai vu New York. La statue de la liberté te salue. J'ai pris un coup de soleil à Acapulco. On s'est baigné avec des dauphins. J'ai déjà appris quelques mots en portugais. Tu me manques. Ici, il fait une chaleur tropicale. Je veux te sentir. Sentir ton corps contre le mien. Un jour, entre les vieilles cartes postales, j'ai trouvé son journal intime. On s'est écrasé sur la terre il y a 5 ans. On est arrivé par accident. Une commande de la navette est disjonctée. Peut-être qu'on ne savait pas piloter la navette. Je me souviens juste qu'on voulait connaître d'autres planètes. Quand nous sommes arrivés, nous n'étions que des formes sans distinction. Ils nous ont dit qu'on était des Martiens. Ils nous ont dit aussi que nous étions un couple. On est devenus peu à peu des humains. Je suis devenue femme et lui homme. Tu agis comme si tu avais tout oublié, mais moi je me rappelle de tout. Tu voulais être libre, et je t'ai cru. Tu voulais connaître le monde, mais tu t'es contentée de regarder une carte. J'ai fait de cette maison un avion, car tu t'es toujours comportée comme un passager. Notre amour s'est transformé en un vol tout confort de première classe. Mais tu m'as déjà fait vivre en crash, une fois, et ça m'a suffi. Décoller, c'est oublier. Adieu. J'ai dû boire 2 cafés pour me réveiller. Et puis, j'ai été faire une balade. Je t'attendais. Viens, c'est par là. Quoi ? Ton billet pour Mars. Je suis en retard, je dois y aller. Bon voyage. Qu'est-ce que je dois faire ? Compter jusqu'à 15.
suis retourné à la maison. Il ne restait plus d'affaires à elle. Le couloir était rempli de cartons. Sur chaque boîte, une étiquette avec le mot Canada. Elle avait tout nettoyé. Le parquet n'avait jamais été aussi brillant. Qu'est-ce qu'on va faire avec les meubles ? Je sais pas. Je peux pas prendre beaucoup de choses avec moi. Pourquoi tu m'aimes plus ? Je devais retourner à la forêt où ma navette s'était écrasée. Le voyage en bus avait duré 2 heures, je crois, ou 4. Je regardais le beau paysage de la terre défiler, avec mon reflet sur la vitre. Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Je pleurais tellement que j'avais mal aux yeux. Mon visage était déformé par mes grimaces. Je crois que je ne savais plus trop ce que je faisais là. J'ai du mal à comprendre encore aujourd'hui. C'était comme une force en moi. Un truc qui me possédait. Je devais le faire. Heureusement, j'avais pris ma navette avec moi. En vérité, ce n'était pas vraiment la navette, juste le moteur. Pour pouvoir entrer, je devais retrouver les restes, la reconstruire. Le voyage a été long, mais finalement, je suis arrivé sur Mars.